à ce jour, nous devons faire les choses en regardant ce qui se passe dans l'autre camp. Les camps d'en face, les camps de Kabila, les camps de FCC et les autres, dans leurs actes, ils ont démontré et ils disent clairement qu'en dehors de Moïse Katumbi, en dehors de Jean-Pierre Mbemba, personne ne peut gagner une élection présidentielle au niveau de l'opposition. Et donc, nous ne pouvons pas dire, parce que les autres sont validés, mettons-nous sur la table pour les accompagner. Ça sera un aveu d'échec d'avance. Ça sera accompagner les candidats de Kabila. Ça sera aller dans un processus où l'échec sera notre résultat. Et donc, pour nous, au niveau des ensembles, nous estimons que, pour le moment, nous devons continuer la lutte pour obtenir les élections inclusives, pour obtenir la disqualification de la machine à voter, pour obtenir un processus équitable. Donc, dans le climat actuel, ni Félix, ni Caméré, ni qui que ce soit ne peut gagner une élection, qu'on ne se voile pas la face. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement quand vous dites des actions? Concrètement, nous avons avec nous les lois de la République qui, ou lesquelles nous donnent le pouvoir de nous opposer à un individu ou à un groupe d'individus qui veut nous confisquer notre pouvoir. Nous avons l'accord de la Saint-Sylvestre qui démontre clairement que les élections doivent se dérouler de manière inclusive. Nous avons avec nous les organisations internationales qui demande à ce que Moïse Katumbi rentre un homme libre au pays. Et donc, nous allons nous battre sur ces principes jusqu'à obtenir la victoire. Et la victoire, nous allons l'obtenir avec le peuple congolais. Nous avons déjà obtenu le départ de Kabila par la lutte. Et par la lutte, nous obtiendrons les élections inclusives. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en personnalisant le débat autour de Moïse Katumbi, autour de Jean-Pierre Bemba, par exemple, on complique davantage la situation? On ne complique pas davantage la situation parce que c'est déjà le cas d'en face qui le déclare en bloquant Moïse Katumbi à l'extérieur, en invalidant un autre candidat sérieux. Donc c'est le cas d'en face. Et donc nous voulons accéder au pouvoir, nous voulons gagner les élections. Pourquoi vous voulez nous amener dans les jeux de Kabila? Non, nous refusons d'aller dans ce jeu. Nous disons nous allons faire les jeux des lois du pays.